Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du complot et de la conspiration. Euh, donc dans cette vidéo, je vais démontrer par des faits extrêmement simples et vérifiables que le complot est incontestable, absolument incontestable. Euh, je vais prendre quelques exemples comme ça tout au long de ma vidéo pour illustrer ce que, ce que, ce que je vais dire. En fait. euh, donc Il y a un premier exemple extrêmement connu, donc je vais prendre le, le cas Lincoln-Kennedy. Donc, parce qu'il y a encore des gens qui savent pas ça aujourd'hui, donc euh, bon c'est pas un souci, mais voilà, il faut quand même se réveiller, hein. on est quand même en 2014 et il y a quand même une crise financière, enfin, euh, fin, je sais pas, il faut, 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 faut quand même se réveiller là. Donc en fait, Lincoln et Kennedy, en fait ce sont deux présidents américains qui ont vécu euh, à quelque chose près euh, des faits extrêmement similaires à 100 ans d'intervalle. Euh, donc en fait... Lincoln, lui, il a été élu au Congrès en 1846, Kennedy en 1946. Euh, Lincoln a été élu président en 1860 un jeudi, Kennedy en 1960, un jeudi, vous voyez euh, tous les deux ont été assassinés un vendredi en présence de leur épouse. Ces deux épouses, qui d'ailleurs ont toutes les deux perdu un enfant pendant un séjour à la Maison-Blanche. Ces deux présidents ont été assassinés d'une balle dans la nuque. L'un des meurtriers a tiré depuis un théâtre et s'est réfugié dans un entrepôt avant d'être arrêté. L'autre a tiré depuis un entrepôt puis s'est réfugié dans un théâtre avant d'être arrêté. Les deux meurtriers ont également été ensuite assassinés avant d'être jugés. Le garde du corps de Lincoln s'appelait Kennedy, le garde du corps de Kennedy s'appelait Lincoln, sa secrétaire s'appelait également Lincoln. Les successeurs des deux présidents s'appelaient tous les deux Johnson, l'un né en 1808, l'autre en 1908. Tous les deux décèdent dix ans après leur accès à la présidence. La loge de théâtre où mourut Lincoln s'appelait la loge Kennedy, qui se trouvait dans le Ford Theater. La voiture dans laquelle Kennedy mourut était une Ford Lincoln. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Il hein. y en a d'autres comme ça. Il euh, y en a d'autres, donc il y, des... y a eu une émission, je crois que c'était en... en 2006 avec De Chavannes qui en ont parlé. Et ça va, même... ça va même bien plus loin que ça, parce qu'on parle même de réincarnation de la même personne en ce qui concerne le, le président Lincoln et Kennedy. Et que même, même euh, l'actuel président euh, des États-Unis, donc Obama, serait la réincarnation de Lincoln. Donc euh, bon, évidemment, ce sont des... des suppositions, enfin en tout cas, moi, j'ai pas été euh, vérifier euh, tout ça. Euh, mais il y a peut-être des preuves. Hein. En tout cas, moi, je pense que c'est voilà, je pense que c'est tout à fait possible. Je mets ça entre, entre parenthèses. Hein. Libre à vous d'adhérer ou de pas adhérer. Moi, voilà, j'ai pas de preuves, donc je vais pas en parler plus que ça. Mais voilà, c'était pour vous dire que ça va extrêmement loin. Euh, mais ce n'est pas tout, parce qu'évidemment, ce complot Lincoln Kennedy est un complot parmi d'autres complots. Donc, on va continuer avec un deuxième complot, puisqu'il s'agit du Titanic et du Concordia. Donc ça peut-être pas l'air comme ça d'un complot, mais en fait, euh, quand on regarde de, de plus près, en fait, euh, il s'agit d'un complot. Pourquoi Parce que bah, ça porte les marques d'un rituel. Et bah rituel pour moi c'est un complot. Déjà la date du naufrage du Concordia qui a eu lieu un vendredi 13. Ensuite, les noms des deux bateaux. Euh, donc là, il suffit de s'intéresser un petit peu à la symbolique. Surtout concernant les, les noms Titanic et Concordia. Donc Titanic ça vient de quoi bah, Ça vient de Titan, et le culte de Titan, c'est le culte de Satan. Euh, quant à Concordia, c'est le nom, écoutez bien, de la divinité des Romains. Autrement dit, c'était la déesse des Illuminati de Babylone. Et Babylone, comme beaucoup le savent, c'est le culte des démons et des reptiliens. Euh, parce qu'à cette époque, en fait, il y avait des orgies, des sacrifices humains et des rituels cannibales qui étaient pratiqués. Et que c'était des cultes pour les faux dieux. Les faux dieux qui sont rien d'autre que les démons. Donc vous voyez déjà avec des noms pareils, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'accident mais au-delà de ça, il suffit de regarder tout le reste. La concordance entre les dates, puisqu'il y a exactement 99 ans d'écart entre les deux naufrages, donc deux fois le chiffre 9. Le Concordia qui a coulé dans la nuit du 13 au 14, le Titanic dans la nuit du 14 au 15. Le nom Concordia d'ailleurs qui rappelle un autre accident, euh, celui du Concorde qu'il y a eu à, euh, à côté de l'aéroport de Gonesse, qui a fait 113 morts dans le nombre 113. On a quoi On a un 11 et un 13. Ces nombres sont extrêmement utilisés d'ailleurs dans les, dans les rituels. J'en parlerai un petit peu plus loin après. Euh, donc il rappelle un autre rituel, celui de la princesse Diana, accidentée à 31 dans le 13e pilier du pont d'Alma. Donc euh, évidemment, il s'agit d'un hasard. Bref, donc pour revenir au Titanic et au Concordia, on voit quoi On voit que ces deux navires ont beaucoup de choses en commun. Par exemple, ces deux bateaux ont tous les deux heurté un objet qui ont percé la côte et les ont fait couler. Tous les deux aussi avaient, écoutez bien, une vitesse de pointe de 23 nœuds. Et 23, le nombre 23, c'est pas n'importe quel nombre. C'est En fait, c'est un 666 caché. Parce que si vous divisez 2 par 3, vous obtenez 0,666. Eh oui Mais vous avez bien plus que ça encore. Vous avez le film de Jean-Luc Godard, sorti en 2010, qui a utilisé en fait le, le bateau. Pour mettre en scène dans son film la fin de l'Europe. Et dans ce bateau, écoutez bien, vous avez tous les noms des pays de l'Union Européenne. Chose très bizarre quand on voit qu'aujourd'hui, ces mêmes pays sont en train de couler économiquement. Et ce film est sorti en DVD trois jours avant le naufrage. C'est énorme. Il y a plein de trucs comme ça. Comme la musique My Heart Will Go On de Céline Dion, musique originale du film Titanic, qui a été jouée pendant que le bateau est en train de couler. Il y a aussi euh, la bouteille d'inauguration qui ne s'est pas brisée. Alors c'est une coutume, enfin euh, il me semble, euh, ce que je connais pas trop Parce qu'il y a beaucoup de malédictions, vous savez, euh, avec les bateaux qui partent en mer Donc en fait il y a une espèce de rituel qui est censé briser la malédiction Donc on est censé briser une, une bouteille euh, pour euh, en quelque sorte porter chance au bateau euh, Pour pas qu'il y ait d'accident quoi si vous voulez Et là en fait ils ont essayé de briser la bouteille et, et ben, ça n'a pas marché Et à plusieurs reprises, hein, ils ont vraiment, ils, ont, ils, ils sont allés comme, comme des bourrins et, mais ça n'a pas fonctionné. Donc euh, pour moi, c'est clair et net, c'est signé. Euh, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indices qui, euh, qui laissent, penser qu'il s'agit d'un rituel. Voilà. Donc on va passer à la suite. Accident ferroviaire de Bretigny-sur-Orge et Saint-Jacques-de-Compostelle. Même chose ici. Complot. Complot. Pourquoi Bah déjà à cause de la violence du phénomène. Moi quand j'ai vu le premier se produire, euh, bon sincèrement j'avais un peu des doutes. Mais bah bon je me suis dit allez pourquoi pas. Euh, un accident extrêmement grave comme celui-là, bon, ça peut arriver. Alors quand j'ai vu le deuxième se produire euh, seulement dix jours plus tard et qui ressemblait vraiment, mais à deux gouttes d'eau au premier, hein, quasiment, euh, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. D'autant plus que le deuxième qui s'est produit donc près de Saint-Jacques-de-Compostelle a eu lieu la veille de la Saint-Jacques. Là, c'est pas possible, ça fait beaucoup trop d'oliments. C'est comme ce conducteur qui s'amusait à se filmer, qui publiait ses vidéos sur Facebook. Là, enfin c'est enfin, n'importe où. Enfin, c'est pas normal, c'est pas normal. Et en regardant un peu plus près, en fait, au niveau des dates, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres choses qui, qui clochaient. Euh, comme par exemple, euh, bah, le premier accident s'est produit le 12 juillet. Le deuxième accident s'est produit le 24 juillet et euh, 24 bah, c'est le double de 12 donc moi ce que je me suis amusé à faire c'est je me suis dit bon bah on a une fois 12, deux fois 12 bon bah pourquoi pas faire 3 fois 12 puisque si vous faites 3 fois 12 ça fait 36 c'est vrai que 12 plus 24 ça fait 36 et 36 c'est pas n'importe quel nombre euh, 36 c'est un 666 caché et oui puisque si vous additionnez les 36 premiers nombres vous obtenez un 666 donc, euh, donc voilà enfin ça, ça, je sais pas, moi, pour moi ça pue le rituel hein. Pas plus d'éléments que ça, mais bon, euh, en tout cas, c'est suffisant en fait pour, euh, pour me faire mon, mon idée là-dessus. Donc euh, voilà, euh, donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet là maintenant, euh, parce que je vais vous parler d'accidents d'avion. Parce que euh, Bon, euh, je pense qu'on n'est pas dupe, hein. beaucoup de gens euh, ont remarqué tout de même que cette année en 2014 il y a eu un certain nombre d'accidents qui n'étaient pas tout à fait normal. Euh, bah, tout simplement parce qu'il y, voilà, y en a beaucoup trop euh, rien qu'au mois de juillet on arrive au mois de juillet on, est, on en totalise déjà 5 accidents et sur ces 5 accidents on a, on, a, on a plus de 800 morts euh, c'est énorme donc il euh, donc y a quelque chose qui n'est pas normal donc, je me suis intéressé euh, d'un peu plus près à ça et euh, notamment en regardant les dates euh, les dates, en fait. euh, les dates. Donc, euh, pourquoi bah, parce que en fait j'ai vu qu en fait, que les mêmes nombres revenaient Fréquemment, mais, euh, mais vraiment, euh, c'est vraiment une constante hein, euh, qu'on retrouve aussi bien en fait dans les accidents d'avion que dans les accidents de train, dans les naufrages, mais aussi les, les dates d'anniversaire, euh, les dates de décès, les euh, en fait tout ce qui est événement euh, dont l'actualité parle euh, très souvent. Ce que j'ai découvert, c'est bon, assez effrayant, euh, c'est assez effrayant. Donc moi, à partir de là, j'ai fait euh, en fait j'ai noté ces nombres que je voyais. Euh, je les ai inscrits dans un tableau que je nomme la base numérale des rituels de sang. C'est une base que j'ai fait euh, simplement en observant en fait ces mêmes nombres qui revenaient. Euh, donc voilà, donc c'est assez simpliste, mais bon, euh, en tout cas, ça a l'air de bien marcher parce que vous allez voir avec, euh, vous allez voir par rapport à ce que je vais dire après, euh, ça fonctionne quoi. Allez, c'est parti. Donc vous avez déjà un premier accident avec un C130 qui a fait 103 morts et qui a eu lieu un 11 février. Puis vous en avez un deuxième le mois d'après avec le vol 370 qui a fait 239 morts, nombre 22 et 23. Puis vous en avez un troisième avec le vol 17 qui a eu lieu un 17 juillet et qui a fait quasiment 300 morts. Puis vous en avez un quatrième le 23 juillet avec le vol 222. Donc là on voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Parce qu'on est déjà au mois de juillet, on a 4 accidents. C'est pas, pas normal. Puis il suffit de regarder les nombres. Là, on a le 23. Donc le 23, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un 666 caché. Et on a le 222. 222, c'est le tiers de 666. Euh, puis vous en avez encore un autre qui se produit le lendemain, 24 juillet, avec le vol 5017. Donc là, on ne peut plus vraiment penser au hasard. Donc si ce n'est pas un hasard, c'est quoi bah, C'est forcément un complot. Le 24 qui rappelle d'ailleurs cet autre accident dont j'ai cité à euh, l'instant. Celui de Saint-Jacques de Compostelle, puisqu'il a eu lieu un 24 juillet 2013. Et regardez ce qui apparaît. Deux fois le nombre 11 dans le nombre de passagers le nombre de morts. C'est quand même curieux. D'autant plus qu'on est arrivé à la moitié de l'année, on a un total de 804 morts. C'est énorme. Encore le nombre 11 qui apparaît avec le vol 111, qui a fait 229 morts. Donc 22 c'est deux fois 11. Le type d'appareil qui était un Douglas MD11. Même chose ici avec le vol 232. Donc on retrouve le 23, mais aussi deux fois le nombre 11, puisque ça a coûté la vie à 111 passagers et qu'il y avait 11 membres d'équipage. Vol 242 ici avec un double...